myself. Take me right back to the start. Eh bien salut tout le monde, c'est Colin. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où on va commencer une nouvelle série sur World of Tanks. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, pourtant il est assez connu, c'est, pour vous expliquer vite fait, c'est un peu comme un Call of mais avec des tanks de différentes nationalités. Donc après on a plusieurs types de tanks. Des anti-chars, des chars légers, des chars moyens. Donc écoutez, là vous devez être perdu. Ce qu'on va faire, c'est on va aller en multijoueur pour jouer contre des gens. Moi j'ai déjà pas mal joué là pendant un bon bout de temps, à peu près 4 heures pour découvrir un peu le jeu. Et on va jouer avec le T-22 Proto, donc qui est un char américain de première division, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne le jeu. Alors si vous voulez, je vous explique. Il y a deux moyens de gagner, c'est soit il faut détruire tous les autres chars ennemis, ou de capturer la base ennemie. C'est à vous de voir. Donc en fait, comme je le disais, il y a plusieurs types de chars, et en fait, c'est très facile de mourir dans ce jeu. C'est vraiment, tu te prends une ou deux balles, t'es mort. Mais ce qui est important, c'est pas le fait de mourir, ni le fait de gagner, c'est le fait de faire son taf. Enfin, selon moi, c'est vraiment ton char doit faire son taf. Donc moi, je suis un char, comme vous voyez, il y a deux traits, donc je suis un char moyen. Ce qui fait que comme je suis un char moyen, je dois être un char qui doit appuyer les chars de reconnaissance, qui doit les aider. Puis j'ai plutôt un blindage moyen, une puissance moyenne, vraiment. Le tank normal, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est... Attends, on va laisser passer. Là, je vous montre, on a une carte. Là, vous pouvez contrôler un petit peu. Alors, regardez ici, je peux prévenir qu'il y aura du danger. Donc, il faut appuyer sur 3. Voilà, on prévient les alliés qu'il y aura du danger là-bas. Et après, ici, quand vous appuyez sur L1, vous avez différents ordres à donner. Donc, social, stratégique. Vraiment un peu... Comme là, regardez, je peux dire, par exemple... défendre cette position, c'est à dire que les gens verront sur la carte là où je suis qu'ils auront besoin d'appuyer une défense sur cette zone. Bref, essayez de faire des kills pour vous exciter un petit peu. Bon, je vais vous dire, je suis assez moyen sur World of Tanks. Je suis assez moyen, je suis pas terrible. Bon, il y a des moments où je joue bien, il y a des moments où je joue mal. Pris pour cible, bah ça j'aime pas déjà. Bon, là vous voyez, j'ai eu cible repérée, touchée, donc ce qui fait que j'ai repéré une cible et qu'elle a été touchée, pas forcément par moi mais par mes alliés. Après, juste avant, vous avez pu voir que j'ai été pris pour cible, donc chose que je n'aime pas du tout, parce que ça veut dire que le mec il t'a dans son viseur et ça c'est pas bien. Après, ce que vous pouvez faire, regardez, je vous montre un petit peu, là vous pouvez engager un camouflage dans des buissons. L'ennemi vous repérera pas et puis vous attendez comme un gros campeur de Call of, un mec qui vient sur vous. Mais bon, vous allez dire ouais, campeur, écoutez, vous comprenez que World of Tanks c'est un jeu totalement différent des autres. Je pense même que c'est un jeu, il faut faire l'inverse. L'inverse dans le sens que dans les autres jeux, quand tu campes, tu paies. Mais je pense que dans ce jeu là, quand tu campes, t'as plus de chances de survivre et de faire des kills. Ouais, on voit le temps qu'il faut se mettre à l'idée que c'est un jeu où vraiment il faut camper, il faut rester assez attentif sur tout le jeu, la carte, les ennemis repérés, tout ça. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est vraiment, on voit le temps que c'est un jeu assez compliqué à gérer. Ah, regardez là, j'ai une cible. L'ennemi nous a dans son visage. Canon chargé. Attends, je vais me planquer. Putain, il m'a collé une bonne balle là, fait chier. Ouh ! C'est quoi qui me tire dessus là ? Wow. Ok. Putain, mais ça arrive à me tirer dessus, hein, mais je sais pas comment. Ils nous ont repéré. Ah ouais, pris pour cible. Bah ouais. C'est les gars, on m'a collé une balle. Je sais même pas d'où ils viennent. Ah, ça vient de devant.
Ah, je peux rien faire. Ah, j'ai grave le seum. Voilà, pour vous expliquer la situation, en fait, mon char, il a une petite radio. Ce qui fait que je détecte pas les ennemis, qui eux ont une meilleure radio que moi et peuvent me voir. Donc là, en gros, je me fais juste tirer dessus gratuitement. Attends, je regarde sur la carte. On va plus avancer de l'autre côté. On va essayer de donner du soutien là-bas. Même si là j'ai mon char qui est un petit peu abîmé. Oh, ok, on a un ennemi là. Boum! Boum! Ah, c'est bon, j'en ai tué, je suis trop content. Ah, putain. Donc là, vous pouvez voir en haut, le premier où il y a un x2 là, avec une étiquette, avec deux ronds, c'est quand vous repérez les cibles. L'étiquette où il y a une balle qui perfore, c'est le nombre de tirs que vous avez assuré sur un tank. Et comme vous voyez, le tank avec une croix, c'est le nombre de kills que t'as fait. Voilà, donc là, quand t'as beaucoup d'étiquettes comme ça, ça veut dire que, en gros, tu fais ton taf. Donc c'est ce que j'ai expliqué au début, hein. Rien à voir avec une victoire et autres, c'est vraiment... même si je meurs, je me dis que là, avec les étiquettes sur le côté, t'as vraiment fait ton taf. Et ça, c'est le but de World of Tanks. Quand tu joues un type de char précis, il faut faire ton taf. Moi, je dois donner de l'appui, je dois donner un peu d'offensive. Et je dois défendre les éclaireurs. C'est un peu le but. Là on a un char devant. On va voir ce qu'on peut faire. Boum ! Passez au suivant. Chargé. Two kill. Après en haut, quand vous voyez le 5 et le 4. Le 5 en vert, c'est le nombre de kills qu'a fait ton équipe. Et donc forcément du côté ennemi là ils sont à 4. Juste en dessous, on a des drapeaux, c'est les bases ennemies qui sont capturées. Wow, attends, attends, non, j'explique, j'ai pas le time. J'ai pas le time, mec. Ah, il a fait le feu avec moi. 3 kills. Ah bah franchement, pour une bonne game, là, je vous régale. Ouais, donc je disais, les drapeaux, c'est les bases. Donc là, vous voyez, il y a la base verte, qui est la nôtre, et la base rouge, qui est la base ennemie. Là, vous voyez, un cercle vert qui tourne autour. Et en fait, ça veut dire... Putain, mais... Prêt à tirer. Ouais, donc je disais, ça veut dire que là, en fait, on est en train de capturer leur base. Et que si on capture leur base, on a gagné. Mais bon, là, il reste un char devant moi qu'on va essayer de tuer. On va faire mieux. Ouais, ça va être un peu dur. Ça va être un peu dur, Jordan. On va faire mieux, mais... L'ennemi nous observe. Wouh. Cible verrouillée. Yes. Je t'en ai mis une. Yes. Allez, une dernière, t'es mort. La dernière balle, il est mort. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Bon. Bah, les gens, je vous ai bien régalé, là. 4 kills. Ah, c'est une super partie, ça. Ça, c'est les parties comme j'aime. Ok. Bon, regardez, pour vous expliquer. Regardez, ici, là, donc. Quand vous avez les étiquettes... putain, je sais même plus parler. Comme ça, c'est les coups critiques. Là c'est les ennemis endommagés, donc c'est en gros j'ai assuré 7 tirs sur un ennemi. Là c'est les chars détruits, donc le nombre de kills que j'ai fait, j'en ai détruit 4 sur les 7. Là c'est les cibles repérées, touchées, donc en gros c'est pas forcément toi qui les touches, c'est... Ça normalement c'est le boulot des éclaireurs, mais c'est un petit peu le mien aussi en tant que char moyen. C'est tu dois repérer une cible, ou plusieurs, et là quand elles sont touchées, c'est pas forcément toi qui les touches, c'est peut-être... un allié, mais justement tu fais ton taf parce que tu aides les chars un peu plus basés sur l'assaut de les attaquer. Bon, après quand tu télécharges World of Tanks, hein, donc moi perso je vous explique, je suis sur PS4 World of Tanks, que ce soit sur PC ou autre plateforme, vous avez un compte premium pendant 2 jours. Alors ce qui fait que là vous gagnez des sous. Les sous permettent d'acheter des améliorations sur le tank ou de rechercher une division plus élevée de ce char. Et à côté vous avez des étoiles grises. Donc les étoiles grises, c'est un petit peu de l'XP, on va considérer ouais, comme de l'XP que vous gagnez pour permettre la recherche d'un tank. Parce que quand vous faites une recherche, non seulement il faut payer de l'XP pour faire la recherche, et en plus après si tu veux acheter une amélioration, il faut les sous.
Donc le compte premium, on l'a 2 jours. Donc sans le premium, j'aurais gagné 2795 et 500 d'XP. Bon, c'est un petit peu nul, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà. Bon, moi, je vous montre un petit peu les principes de World of Tanks. Bon, là, je vais quitter, je vais retourner dans le garage pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Bon, comme vous voyez, là, j'ai le T22. Donc là, c'est le char que j'ai utilisé. Si je peux vous montrer, je vais aller dans les chars, je vais aller dans la. Alors là, dans les chars, vous allez division. Là, je suis dans la division américaine. Donc là, il y a un char qui était le T1, mais je ne l'ai pas pris. Moi, j'ai pris le T22. Donc, vous voyez là, le T1, il a une sorte de losange. Le losange, ça veut dire que c'est un char de reconnaissance. Donc, c'est plus le mec. Enfin, moi, j'appelle ça des mecs dans le suicide. Parce que c'est des mecs qui vont vraiment foncer sur les ennemis, essayer de mettre du dégât. Et vraiment essayer de repérer un maximum de cibles. Pour que nous, derrière, on fasse le taf. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, là, le losange coupé en deux, c'est les chars moyens. Ce qui veut dire que c'est un char d'appui. Enfin, bref, je vous l'ai expliqué. Là, le triangle à l'envers, ça, c'est les chars. Enfin, c'est des anti-chars. Donc, c'est les mecs qui sont plus vraiment campeurs, cachés derrière un buisson, derrière une brique, et qui attendent vraiment de loin. Et dès qu'ils voient une cible, pouf, tu lui pètes le cul, tu lui pètes le moteur. Ça, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on a les carrés, donc là, c'est. Enfin, moi, je les jouerai jamais, hein, perso, je vous le dis. Enfin, peut-être plus tard. Mais là, c'est les artilleurs, donc j'aime pas trop. C'est vraiment les mecs qui sont tout derrière et qui vont, grâce au char de reconnaissance, repérer une cible et envoyer vraiment un roquette en hauteur. Mais bon, c'est un char, je vous le dis. Les chars comme ça, c'est très dur à jouer. Peut-être un jour, je vous montrerai, mais perso, je les joue pas. Et pour finir, si je peux vous montrer un peu, est-ce qu'il y en a? Ouais. À partir de ce char-là, donc, vous voyez, on a un losange coupé en trois. Donc là, c'est les chars d'assaut. Hein. Vraiment, c'est les chars qui ont pour rôle. Donc, dès que la reconnaissance elle a été faite, c'est le char qui va foncer, qui va dégommer tout, quoi. C'est vraiment le but de ce char. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu les différents types de tanks. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Moi, j'ai le T22. Bon, comme j'ai joué un petit peu plus hein, en off. J'ai acheté une division qui est le T2 Medium. Donc pareil, si je mets... Attends, est-ce que si je mets pack... Ouais. Donc là, c'est les améliorations que vous pouvez faire. Donc là, vous voyez, j'ai acheté quelques améliorations. C'est des installations de pièces d'armes en plus. Et après, vous pouvez acheter une autre division. Donc moi, je suis parti aussi dans le M2 Medium. Et là, pareil, j'ai racheté des améliorations. Et là, je suis parti dans le M3. Et puis là, vous voyez, donc moi je suis arrêté ici. Donc là, c'est l'XP que tu gagnes. Hein. En fait, quand tu joues un tank, lui, il gagne sa propre XP pour acheter un bonus. Donc regardez, moi j'en ai 4400. Là, il faut que j'achète un bonus. Donc comme vous voyez sur le côté, je perds en mobilité, mais je gagne en puissance de feu si j'achète ça. Donc là, vous voyez, on fait la recherche. Donc là, j'ai payé. Et là, en plus, il faut acheter si tu veux installer cette amélioration. Bon, on va se l'acheter hein, pour vous montrer. Voilà. Là, j'ai eu une amélioration sur mon tank. La prochaine amélioration, c'est soit je pars sur le M4, qui est un char de division 5, mais qui est un char toujours moyen. Ou soit je repaye encore une amélioration et je vais partir dans une division de char d'assaut. Là, c'est à moi de choisir. En fait, c'est vous êtes vraiment. Enfin, c'est vous qui choisissez comment vous jouez, en fait. C'est les différents types de chars, c'est la façon dont vous jouez. Si vous aimez bien jouer campeur, assaut, vraiment, c'est comme vous voulez. Donc moi ce que je vais faire c'est perso je vais pas vous le cacher, à partir d'ici je vais partir sur l'amélioration là et je vais partir sur les chars d'assaut. Vraiment détruire des chars c'est ma spécialité, vous l'avez vu juste avant. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Bon là bien sûr je suis dans la division américaine, mais après vous avez différentes divisions comme les Chinois. Bah, là à ce temps-là c'est plus les nazis. Donc l'Allemagne, l'Angleterre, la France. La Chine. Ouais, attends, c'était quoi au-dessus? Ça c'est quoi? Ah non, ça, pardon. Ah merde, ça c'est l'URSS. Je suis con. Là c'est le Japon. Ce drapeau là, je sais pas ce que c'est. C'est quoi cette nation? Bon, regardez, vous voyez dans la nation là, vous avez pas beaucoup de tanks, hein. Eh, c'est triste. Hein. Ah, c'est vraiment triste. Là, c'est des nations vraiment. Que je vous conseille de pas prendre. Ça, c'est des nations, mais qui puent la merde.
Et là, c'est les Suédois, voilà. Là, c'est. On reconnaît, pareil, c'est une vision un petit peu terrible. Il n'y a pas beaucoup de choix hein, dedans. Bon, vraiment, là, vous allez me dire peut-être, mais pour toi, c'est quoi les meilleures nations? Bon, moi, je vous dis sur World of Tanks, j'ai toujours joué la division américaine pour tout ce qui est vraiment la puissance de feu, assaut, tout ça. Et je suis parti dans la division allemande. Dans le domaine des anti-chars, parce que vraiment les anti-chars, tu restes campeur. Un anti-char allemand, ça met du dégât, mec. C'est un truc de malade. Donc, vraiment, ce que je peux vous conseiller dedans, ça serait si vous jouez de partir côté américain. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, donc côté américain, les Chinois, je pense pas. La France, pareil, hein. La France, ils ont des chars, ils sont pas terribles. Bah écoutez, vraiment, moi perso, je vous conseille vraiment soit les Américains ou les nazis. Puis peut-être un petit peu l'URSS quand même, hein. Enfin, moi avant j'aimais pas, mais je trouve l'URSS c'est quand même à la mode hein, au niveau des tanks. Ils sont pas mal non plus. Donc voilà, un truc de présenté encore. Qu'est-ce que je peux vous montrer après? Bah vous voyez, là avec mon tank j'ai 3000 d'XP dans ce que je vais faire. Ça, on va refaire une partie avec ce tank là. Puis après écoutez on va se laisser là. Enfin moi je voudrais vraiment expliquer les bases du jeu. Comment ça fonctionnait, vraiment moi je sais plus trop quoi dire à force. C'est le but de World of Tanks, voilà. Je vous ai tout expliqué. Puis après, bien sûr, ce que j'ai oublié de dire, parce que comme là j'ai assuré une victoire, si vous assurez une défaite, quand vous assurez une défaite, c'est-à-dire qu'en gros vous crevez, hein, il y a un tank qui vous a explosé, bah en fait il va vous demander de rentrer au garage. Donc soit vous regardez la partie, soit vous rentrez au garage. Et quand vous rentrez au garage, votre char il est considéré en bataille, c'est-à-dire vous ne pourrez plus le rejouer. Donc c'est-à-dire vous devez jouer un autre tank. Donc ce que je vous conseille, c'est de jouer deux tanks principaux. Comme moi je joue le tank côté américain et un tank côté allemand. Comme ça permet de pendant que je joue le tank allemand, la partie elle se finisse pour le char américain, il retourne dans mon garage, et hop, voilà, on fait 1 sur 2. Très bien, messieurs. Ouais, c'est il ce y a que je vous des ennemis dans conseille. la zone. Nous pouvons soit les détruire, soit capturer leur base. En route. Ah mais oui, partout cela va, ouais. Si j'y vais tout seul, ils vont m'exploser, donc je vais aller avec eux, même si j'aime pas ce côté-là. Ah non, il y en a un qui va là-bas. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Bah je vais le suivre. Là c'est, vous voyez, donc devant c'est un char de reconnaissance. Son but c'est de repérer les chars pour que moi derrière je puisse lui donner du soutien pour le détruire. Donc là avec lui je ferai un bon petit duo. En plus, c'est un Français. Concentrez votre attention ici. Clément massacre. On va voir si tu vas massacrer tout le monde. Avance, boîte de conserve. En plus, moi, j'aime pas rester comme ça. Je vais vraiment planquer dans le coin. Ouais, ça va être. Bah après lui il faut qu'il passe devant, regardez, il faut qu'il joue bien son rôle. Faut qu'il passe devant parce que moi j'ai pas de cible. J'ai pas de cible, moi je suis un peu bloqué, vous voyez, c'est comme ça qu'on joue. C'est vraiment, là on voit vraiment le travail d'équipe. C'est chacun a un type de char différent et chacun doit faire le bon taf avec. Parce que souvent quand je fais des parties, hein, je veux pas vous le cacher, j'ai déjà vu des chars de reconnaissance. Là où il y a les chars d'assaut, mais je dis, what? Mais mec, va devant, je sais pas. C'est pas ton rôle d'être derrière. Donc voilà, donc là, pour l'instant, il fait bien son rôle, il est devant. Moi, je suis derrière, en soutien, au cas où. Donc là, pour l'instant, je suis un bon duo avec lui. Ah, il veut capturer la base, mais c'est un fou, lui. Moi, j'y vais pas. Ah, quoique, s'il y a déjà 3 kills, bon, on va peut-être y aller. En plus, si on est à 2, ça va aller vite. Ok, bon là on va capturer la base. Donc, vous voyez quand on va être à 2, ça ira beaucoup plus vite. Voilà.
Bon, dans 45 secondes, si on n'a pas reçu une attaque chez la base ennemie, eh ben, on aura capturé le drapeau et puis ils sont morts. La partie elle sera gagnée. Mais bon, c'est un petit peu dangereux. Enfin, moi j'aime pas capturer les bases. Je le suis parce que bon, si je suis tout seul, c'est pas marrant, mais. C'est un peu dangereux de faire ça. Regardez, il reçoit déjà une attaque. Il est en train de tirer. Ah, je vois un tank là-bas. L'ennemi nous a dans son viseur. Ah merde, j'ai juste touché. Chargé. Ah, je le touche, hein, mais. Ah, ça y est. Il a pris le coup là. Ah, yes. Il a pris le coup. Ok, on a un autre char. Ouais, ok. Juste là, on a un autre tank. Ok, bah super. Voilà, on a capturé la base. Donc vous voyez, il restait encore des ennemis, mais on a capturé la base, ce qui fait qu'on a gagné déjà. Donc la partie a été rapide et on a encore gagné. Voilà. Donc si vous regardez encore mes étiquettes, j'ai bien fait mon taf. Ennemi repéré 1. Base capturée, bon. Moi je considérais que ça comme inutile. Et puis ennemi endommagé, donc vous voyez, j'ai bien attaqué un char, donc. Même si j'ai pas fait de kill, même si je. J'aurais été mort hein, peut-être, hein. Bah, il faut se dire, t'as fait ton taf. Bon, on va retourner au garage. Et puis voilà, vraiment je vous ai expliqué comment fonctionne World of Tanks. Alors, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour ceux qui veulent jouer avec moi sur World of Tanks, n'hésitez pas surtout à télécharger. Hein, donc c'est dans le Play Store, il est gratuit. Je tiens à le dire, il est gratuit le jeu, donc n'hésitez pas à l'installer. J'ai déjà pas mal de gens qui veulent jouer avec moi sur World of Tanks, hein, donc j'avais déjà parlé du projet. Et vous aussi les abonnés, vous pouvez jouer avec nous. Donc ce que je ferai, c'est je créerai un clan. Alors je sais plus comment on fait, mais je vais me renseigner. Je sais qu'on peut créer un clan. Enfin eux ils disent ça un peloton, mais on va faire un peloton et puis comme ça on pourra tous jouer ensemble et ce sera vraiment bien. Faire une équipe vraiment avec tous les abonnés face à une autre équipe qu'on connaît pas. Et donc voilà. Donc vraiment si ce jeu vous plaît, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fera énormément plaisir. Donc bon, pour débuter cette série, on va fixer un objectif 15 likes. Surtout n'hésitez pas aussi à partager à vos amis et votre famille sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour les nouveaux qui l'ont pas encore fait. Et moi je vous dis ciao tout le monde.